Bonsoir. Vas-y Samuel, parle. Je parle, vous m'entendez? Vous êtes là pour m'entendre ma douce voix. Ok, c'est bon. Moi je t'entends bien en tout cas. Salut Garas. Non, moi je t'entends bien. Si je t'entends bien, ils t'entendront bien. Enfin, j'espère. De toute façon, ils vont Oh, me le dire. dans le pire des cas, tu leur traduis, hein. Ouais, bien Tu sûr. traduis du glaps en français. Après trois bières, tu commenceras à éructer ton dialecte suisse. Parlé par 50 personnes. Bon, l'intérêt, c'est qu'ils font tous partie de la famille. Avec le même front proéminent. Là où même les chiens ont une gueule de famille, quoi. Sauf ton frère qui est le fils du plombier kosovar, c'est ça? Ah là là là. Entre autres. Entre autres, attends, hop, je regarde, je fais mes petits réglages. Hop là. Salut Glaps, ah oui, et Pépé, bah ouais, je suis là. Si je te fais chier, je peux me casser, hein. Ça peut s'arranger, hein. Ouais, mais laisse le stream rouler pendant que Ah tu es bah bien parti. sûr. Parce que bon, Glaps, là, il m'a déjà raconté tout ça, je sais pas combien de fois, ils en avaient rien à foutre la première fois, j'en aurais probablement rien à foutre la deuxième fois. L'âge de bronze scandinave. Alors là, regarde, Pépé, ils avaient ce genre de détestable tunique. Bah non, mais bien sûr, je peux me permettre. Ah là là. On n'est plus à ça près. Ouais, bon, t'as quand même pas mal de choses à dire, je pense. Qu'on va Pas... pas te... Ouais. Alors vas-y, attends, je vais passer sur mon écran de contrôle. Hop là, mon écran de contrôle, dit-il de son accent allemand proéminent. Bon bah vas-y, hein, je te mets... Fais-nous une petite présentation des livres d'abord, parce que t'as quand même pas mal de livres en Exactement. support. Donc... En fait, et c'est pour ça où je vais parler un peu de la biographie. Je ne vais pas présenter un livre, je vais présenter une somme de tous ces de ces quatre livres qui sont ce qui se fait de mieux sur le monde viking et sur la société de l'an 1000 en Scandinavie. Bon, il y a Dieu le Père en tout ce qui est Scandinavie, Régis Boyer, c'est simple. C'est le seul mec qui a écrit des choses qui sont valables sur la société scandinave en français. C'est simple. Mais il est aussi très connu et reconnu dans tout le monde anglo-saxon comme étant un des papes de tout ce qui est de l'analyse de la religion scandinave, etc., etc. Donc, tout ce qui... Il est pas mort, il est mort il y a pas longtemps, non? Ouais, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Oui, parce que c'est le gars, il a commencé, je crois, il a sorti ses premiers essais dans les années 50, 50-60, Ah un truc oui, comme c'est ça, vrai que... donc. En plus, tu m'en as fait lire deux. Yggdrasil, je l'ai lu. Et Les Vikings et les Celtes, bah, je l'ai aussi parce qu'il est génial. Et les deux autres, Le Monde du Double et Les Magiciens dans l'ancienne Islande, je les connais pas. Mais Yggdrasil était Donc. extrêmement intéressant. Pas facile à lire du tout parce que Régis Boyer, si vous êtes pas un peu Ah, dans le... Si vous il êtes aime pas les un peu phrases dans à le rallonge. milieu, si vous êtes pas un peu dans le milieu, genre c'est pas pour les néophytes Régis Boyer. Faut déjà avoir un peu de bagage. Par contre, le bouquin de en bas à gauche, Les Vikings et les Celtes, est à la portée des néophytes quand tu débutes. C'est un bon bouquin d'introduction, je trouve. Exactement. Régis Boyer a fait d'autres bouquins, je crois, qui a des dictionnaires, je crois que c'est son dernier bouquin qui est un excellent. Je l'ai pas lu, mais ça vient de Boyer, donc je peux dire que c'est très bien. Et il y a un de ses anciens élèves, François-Xavier Dillmann, celui qui a écrit Les Magiciens dans l'Islande ancienne, qui est aussi un maître de conférence sur l'enseignement, tout ce qui est le monde nordique ancien. Bien, et l'autre, Jean Renaud, Les Vikings et les Celtes, excellent bouquin qui met bien en relation l'opposition, mais à quel point ils étaient opposés, mais très copains sur ces autres aspects, entre les Vikings et les Celtes. Excellent bouquin et surtout pourquoi ils se sont jamais mélangés, ils sont toujours repoussés. Très bon bouquin. Quant à ce soir, ce soir, moi je vais vous parler, comme j'ai dit, je vais faire une espèce de pot-pourri de tout de l'univers viking et on va commencer très loin dans le temps. En fait, on va pas commencer si tellement loin dans le temps que pendant toute cette première partie, on va pas prononcer le mot viking. On va commencer par arriver, enfin, on va commencer avec la fin de la préhistoire, grosso modo 1000 avant Jésus-Christ.
et notre tout exposé va nous arriver, amener grosso modo, jusque vers 500 après Jésus-Christ. C'est donc 1500 ans d'histoire, en gros, qu'on va balayer du regard. Pépé, si jamais je regarde pas le chat, donc tu me dis s'il y a des questions. T'inquiète, je gère ça. Je te dirai tout. Non, je déconne. T'inquiète, je gère ça. Alors, voilà, grosso modo, c'est des cultures, ce que vous voyez à l'écran. La culture de la céramique cordée, en rouge, c'est les restes des invasions indo-européennes. Enfin, une des premières couches qui ont été ensuite... passer couche après couche par d'autres cultures, dont la culture Yamna, qui était une grosse culture qui allait depuis la Volga jusque sur le Kazakhstan et compagnie. Cette culture de la céramique cordée va, au bout d'un moment, former la base de la culture germanique et d'Europe de l'Est et de tout ce qui est d'Europe centrale. Vous remarquez que, par exemple, sur cette carte, ça s'arrête au Rhin, ça s'arrête dans les pays baltes. Ça va être vraiment cette culture cordée, va être le fondement de tout ce qui est les cultures germaniques. Bon, après, il y aura d'autres apports, comme la culture de la. Des cultures. Des cruches à entonnoir, comme ils appellent. Mais là, on est en l'an 1000, grosso modo 1000 avant Jésus-Christ. Et vous voyez déjà qu'il y a une. Tout est installé. Malgré tout ça, il y a une grande différence entre tout ce qui est les Nordiques, proprement dit, et les Germains. On est dans une société de chasseurs-cueilleurs, à cette époque-là. Il n'y a pas les Sames. Les Sames, eux, viendront beaucoup plus tard dans le Nord. Pour le moment, ils sont encore perdus quelque part en Yakoutie ou en Sibérie. Et donc, tous ces gaillards qui arrivent, là tu pourrais mettre par exemple, ça c'est vraiment la définition, grosso modo, vers 500 après Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ, de où la culture nordique, proprement nordique, se trouve. On est donc vers c'est des chasseurs-cueilleurs, comme j'ai dit, il y a des grandes différences entre le monde nordique et le monde germanique. Naturellement, il n'y a pas d'écriture à l'époque. Mais on a, grosso modo, on voit déjà que dans les restes archéologiques, la culture cordée nordique proprement dit est bien plus à des différences. On sent tout de suite qui est quoi et comment. Maintenant, on est encore dans la préhistoire, hein. Faut bien comprendre, on est limite au mec Gourdin et Poutslip. Il y a très peu d'habits, il n'y a pas de ville, il n'existe pas de ville. Ce n'est qu'à partir justement de l'an 1000 où on va commencer à avoir des villages, enfin des fermes. Ah ben là, voilà, très jolie photo, voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on pourrait appeler les proto-germains de l'an 1000. Alors, vous remarquerez, je vais vous attirer l'attention sur un truc, les espèces de cercles que les nanas portent au niveau du ventre. Et en fait, c'est là où il y a un aspect extrêmement important où on entre, qui va entrer plus tard, c'est le fait que ce sont des peuples qui vénèrent le soleil. Et donc tout ce qui est rond. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Je disais que malgré qu'ils se forment une culture unie dans le Nord, il y a de très très grandes différences au niveau géographique qui vont faire que au fil des années et des siècles, les cultures vont être différentes. Tu vas avoir, par exemple, en Norvège, la côte norvégienne, c'est une côte qui fait quelques kilomètres de large, et ensuite tu as des montagnes qui montent à 1000 mètres. Et c'est tout. L'intérieur du pays, tu y vas pas. Ouais, l'intérieur. Mais ça, c'est un truc nouveau. Les gens se rendent pas compte. Aujourd'hui, on voit la Norvège comme une entité, tu sais, sur la carte. Les gens se rendent pas compte que tous les gens, à l'époque, jusqu'en super tard, vivent uniquement sur la côte et dans les fjords, en fait. Et que l'intérieur est une terre désolée, en fait. Il n'y a rien.
jusqu'au tout début du 20e, il n'y a rien. Dans le nord de la Norvège, enfin dans l'intérieur des terres, tu vas à 20 km à l'intérieur des terres, tu as des montagnes, des trolls, c'est tout. Ouais, et les gens vivent uniquement sur les côtes, en fait. Et il y a encore, c'est justement, on est à ça en Norvège, mais en Suède, c'est la même chose. Les gens sont sur les côtes, sont à côté des rivières et des lacs. Sur et les la... rivières et les lacs, alors, c'est pour la bouffe, les lacs, par exemple, ou bien... J'y viens, c'est pour une autre raison. C'est qu'en fait, il y a... Et au Danemark, bah, ils sont jamais aussi à l'intérieur, très à l'intérieur des terres, ils sont toujours sur les côtes. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple, il y a de l'eau partout, il y a des marais. L'intérieur de la Norvège, c'est donc, que du marais. Il y a du fer, c'est ça? Pas encore. Enfin, oui, il y en a, mais pas encore. Il ne sera pas encore exploité. Il y a de la flotte partout. C'est des gens qui ne font pas d'agriculture, ou très peu. C'est des gens qui pêchent beaucoup. Et surtout, comment tu fais pour te déplacer de coin d'endroit à endroit quand tu as que du marais? Ben, tu vas en bateau. Si t'as un bateau, ben, tu peux faire du cabotage le long de la côte ou le long des rivières. Donc tout ce monde scandinave est déjà entre guillemets connecté à l'échelle de trois fermes, on se comprend bien, mais connecté par le bateau. Le bateau est déjà considéré et vu comme un moyen de transport et un moyen c'est ça de que connexion. C'est ce que tu m'appelles les yachts, les Kjordspring, Kjordspring. Alors ça, ça sera le bateau qu'on y arrivera plus tard, oui, mais c'est ça. Maintenant, comme je disais, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village. Dans le meilleur des cas, il y a des hameaux. Pour donner une idée, une des toutes premières villes de Scandinavie, c'est Hedby, dans le sud du Danemark. Et en 1000 après Jésus-Christ, on estime que au mieux, à l'année, j'insiste bien à l'année, il y a en gros 1000 personnes. 1000 après Jésus-Christ. En 1000 après Jésus-Christ. Putain, genre, ouais, 1000 après. Donc on est déjà sur la fin de l'âge d'or scandinave et on a des hameaux de 1000 habitants quoi. Genre c'est les plus gros. Non, un. Un hameau. C'est même pas un hameau, c'est un aval. Putain. Et là, pourquoi il y a aussi cette seule ville qui existe, c'est parce que ben tu as c'est un centre de commerce. Donc c'est faut bien comprendre que tout ce monde du bronze qui est au niveau de l'habitat et de tout ce que je viens de décrire va rester plus ou moins la même chose jusqu'en 1000 après Jésus-Christ. Alors on me fait noter dans le chat et je pense qu'il a bien raison. Quand à côté, t'as Constantinople et compagnie. Donc, faut imaginer les proto-suédois de la Rousse qui débarquent devant les murs de Constantinople, ce que les mecs ont dû penser, quoi. Genre, ouais, eux, ils ont leur hameau au Danemark de 1000 habitants entourés par un mur de caca. Et ils arrivent devant la plus grande ville d'Europe, presque du monde. Ah, mais c'est quoi ça? C'est la première enceinte, là, de mur. Ouais. Oui, donc, je vous laisse aussi imaginer combien il y a d'habitants en tout. Parce que ce que je vois là sur la carte, la zone rouge, c'est la zone habitée. Pas habitable, mais habitée. Le nord, il n'y a rien. Il n'y a personne, ce n'est pas habité. Comme j'ai dit, les Lapons et les Sams ne sont pas encore arrivés. On est en 1000 avant Jésus-Christ, le nord est vide. Là, bah, vu qu'on parle un peu comment on va un peu changer, puis on va voir où c'est qu'ils habitent. Les gens dans le nord, et un peu dans les Celtes, mais les Celtes changeront au fur et à mesure des siècles, mais en gros, à partir de moins 1000, et ça va changer juste vers moins 500, les gens habitent dans ce qu'on appelle des Langhus, des longues maisons. Avant Jésus-Christ, on parle. Tout à l'heure, 1000 ans. Oui, on est toujours avant, pardon. Ouais, toujours avant Jésus-Christ. Et ces Langhus sont des descendantes du néolithique. C'est comme ça. Donc, ça veut dire vraiment de l'âge de la pierre. Et vont continuer à être utilisées, mais modernisées, jusqu'en, en gros, en Islande, par exemple, jusqu'en 1300.
1300, 1400. Avec la maison d'Eric Stadir qui a été refaite un peu dans ce genre. Voilà, exactement. Alors ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est une reconstitution d'une ferme viking du 9e siècle. Mais en gros, ça représente exactement la façon dont les gens vivaient à l'âge du bronze dans le nord. Faut bien imaginer un truc. Tu vis là-dedans, tu vis avec toute la famille. Le bétail. Plus le bétail. Bah, il faut bien que tu sois chaud pendant l'hiver. Hein. Moi, j'allais plutôt dire, tu sais, au bout d'un moment, entre la famille et le bétail, des fois, tu fais plus trop la différence. Il y a les esclaves aussi, qui font partie du bétail, techniquement. À l'âge du bronze, oui. Enfin, pas encore, mais plus tard, oui. Ça... Mais c'est le cas. Ils vont dans les... Et quand vous... là, je vois que tu as mis le plan en bas à gauche, tu vois qu'il y a un âtre au milieu. C'est là où on fait un feu. C'est un long feu. Attends, je vais mettre aussi l'autre photo. Hop, là, on verra bien. Voilà. Hop là. Voilà. En fait, les deux photos, c'est le même, la même maison. Il y a l'âtre au milieu qui est le feu pour chauffer et faire de la lumière. Les murs sont très larges et sont faits en tourbe. Et il y a deux rangées de bancs de part et d'autre de l'âtre. Et ben, puis c'est là que tu vis. Tu bouffes, tu baises, tu meurs, tu travailles. Et les gens, c'est la maison. Sur les deux extrêmes, il y a des pièces. Alors, dans le cas précis de Eric Stadir, là, à gauche, c'est l'étable. Et tu mets 20 à 30 moutons dedans. Ah ouais, comme ça, c'est pratique, parce que c'est eux qui font isolation, parce que c'est eux qui prennent l'air froid, mais eux-mêmes développent de la chaleur, donc en fait, tu tiens, ça fait radiateur naturel. Putain, ils étaient pas cons, quand même. Hein. Ben, disons qu'ils ont dû passer quelques hivers à l'époque, ça devait pas être sympa. Hein. J'ai des questions, Samuel. Il y avait du tissage... Vas-y, vas-y. Il y avait du tissage chez les Scandinaves à l'âge du bronze. Oui. Alors, ils tissaient beaucoup de lin, un peu de laine. Après, il y avait aussi beaucoup de fourrure. Ils avaient déjà des contacts avec l'extérieur, donc je pense qu'ils voudraient dire probablement en région nordique, ou c'était encore que en région nordique. Bah, je pense qu'ils devaient forcément... Alors... S'ils étaient danois, enfin, ceux à la frontière avaient forcément des communications... Enfin, rencontré des mecs germaniques plus au nord, enfin, dans ce coin-là. Alors, la question... Je vais répondre à la question, je vais dire oui, et ça va au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais j'y reviendrai passer le prochain chapitre. Mais la question est oui, il y avait des connexions entre la Scandinavie et très très loin. Je vais donner un exemple. On a retrouvé une hache en bronze qui date de moins 1300 avant Jésus-Christ. Le bronze, il vient de Chypre. Ouais, il y avait énormément... Ouais, c'est vrai qu'on sous-estime aujourd'hui les connexions et comment les ressources circulaient en fait. D'ailleurs, on dit souvent que c'est aussi dû à ça, l'effondrement de l'âge de bronze, par rapport et à... Ça, c'est un... Mais bon, c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est très intéressant. Mais je vais en parler, parce que ça fait partie du prochain chapitre. D'ailleurs, ah là là, tu m'as mis une photo de tombe à un moment, qu'on n'a pas parlé dans un. Ah oui, oui, oui. T'as pas oublié un peu de choses, peut-être ? Non, la photo de la tombe, normalement, elle doit aller beaucoup plus tard. C'est après, c'est sur le chapitre religion. D'accord, bah tu me l'avais mise dans un, donc c'est pas grave. Ah, j'ai fait... Ben voilà. Oui. Tant pis pour moi. D'autres questions encore pendant qu'on y est ? Ah, j'ai mis deux fois le même truc, ok, d'accord. Ah non, ça est tout bon. Ouais, alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remettre les livres, en fait, qui servent de base. Il y en a plusieurs. C'est un... Vu que c'est en deux parties, il y aura l'autre partie la semaine prochaine, donc c'est un pot pourri de ces quatre bouquins. Moi j'en ai lu deux, les deux étaient très bien. Mon préféré, c'est pas parce que je suis pas vraiment à fond dedans, c'est les Vikings et les Celtes qui est plus à mon niveau. Mais Boyer, c'est un très bon bouquin. Et qui est aussi différent au niveau de ce qu'il traite. Il est beaucoup plus sur la... Les Vikings et les Celtes traitent beaucoup plus de tout ce qui est vie sociale et histoire. Tandis que les deux autres bouquins, c'est des bouquins de... d'études de la religion, on va le dire comme ça.
mais qui fait beaucoup d'apartés à gauche à droite. Les maisons sont faites de quelle matière? Terre cuite, sorte de paille, bois? Ben, en tourbe. C'est ça? En tourbe. Tu l'as dit, ouais. En tourbe, ouais. C'est pour ça qu'ils vivent entre autres près des marais, c'est qu'il y a beaucoup de tourbe facile d'accès. Ils vivent en tourbe à cause de l'aspect isolant. Une fois que tu es dans une maison en tourbe, ben, tu sens pas le vent, tu sens pas la pluie, y a rien. Et c'est un matériel, ça coûte pas cher. T'as même pas besoin d'une hache. Et ça brûle aussi très bien. Pour ceux qui connaissent pas, moi je sais que mes parents utilisent uniquement de la tourbe, des pavés de tourbe pour se chauffer. Et ça fait pas de suie, ça chauffe beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux. Et ça a aussi une odeur très particulière, certains aiment pas parce que c'est une odeur très forte. Mais j'aime beaucoup le feu de tourbe, donc ça chauffe aussi très très bien, mieux que le bois d'ailleurs. Vas-y Samuel, hein, On va passer religion. On est vraiment dans un mode de pensée qui n'est pas du tout, dont on ne connaît rien. Il n'y a pas d'écrit. À cette époque-là, dans ce coin-là, il n'y a pas d'écrit. Donc on se base uniquement sur ce qu'on a trouvé archéologiquement parlant. Les glyphes, mais... les trucs que tu m'as envoyés. Attends, mais c'est un exact. Gros... C'est des gros zizi qu'ils ont là, Samuel. J'avais pas percuté. Mais oui. C'est ce sont des attributs phalliques, c'est ça? Exactement. Ah, comment j'ai pu louper ça? Ah, génial. On est dans une religion donc vraiment qu'on appelle chtonienne. Ça veut dire très lié au culte de la terre. Toutes les forces sont c'est les forces de la terre, c'est les forces de la fertilité. C'est pour ça qu'il y a des gros zizi. Tu demandes aux dieux d'avoir un gros zizi pour fertiliser les champs, fertiliser la mer, fertiliser les femmes. Tu as toute cette... il y a l'exemple de trois mecs, et il y a une religion où il y a deux entités, enfin deux grosses entités. Il y a ces trois dieux, où il semble qu'il y a un dieu à hache qui protège. Ça préfigure ce qui va devenir Thor. On a un dieu qui semble avoir une épée ou une lance, ça dépend. Il semble que ça soit le dieu Tyr, j'en reviendrai, ou le dieu Odin. Et un troisième qui a en général un très, très, très gros zizi, qui est le dieu Freyr. Mais ça, pourquoi ces trois hommes? Parce que ces trois hommes-là sont des attributs de mouvement. Et c'est ceux qui font la guerre et tout ce que tu veux. Face à ça, vraiment en opposition à ça, tu as le soleil, ce qu'on va appeler le soleil, qu'on pourra appeler la déesse. C'est là où tu peux mettre le chariot. Et en fait, les dessins que vous voyez sont de la même époque que le chariot de Trudholm, qu'on va voir. Où en fait... Ça, le chariot que vous voyez, il date de moins 1200 avant Jésus-Christ. Putain, qu'est-ce qu'il est bien conservé, quoi. Et surtout, qu'est-ce qu'il est beau. Je veux dire, les qualités de craftsman, d'artisanat pour faire ça, c'est impressionnant, quoi. Et c'est des mecs qui sont avec leur bite et leur couteau quelque part dans le nord, sans avoir été en contact avec les Romains, ouais, les machins, mais... les trucs comme ça. Moi, je suis avec ma bite et mon couteau, j'arrive à peine à sortir les poubelles de chez moi, tu vois. Voilà, quoi. Et j'ai pas une bite comme l'autre que tu m'as, comme l'autre dieu, là. Putain. Ah, bah, la bite divine, c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Ah, putain, j'avoue. En fait, ces chars-là, comme ça, avec ce cercle. C'est le soleil, ça, parce que le cercle est en or. Donc vous imaginez que ça brille. Et on estime que c'est ce cheval, donc ce moyen de transport, tirait le soleil, la déesse primaire, au travers des champs, à travers les tout ce que vous voulez, pour fertiliser, bénir et bénir les machins. On est vraiment. Pardon, vas-y. On est réellement dans un culte solaire. Culte de la mer, de la terre-mère, avec trois gulus plus quelques autres divinités locales qui sont là à dire coucou, on fait ce que le soleil peut pas faire. J'adore tout ce qui est les vieilles religions grecques, et c'est amusant parce que t'as Hermès avec son char qui tire aussi le soleil dans le ciel en fait. Et t'as la même chose en Égypte avec le culte autour de Ra, c'est Ra, ouais, le dieu du soleil.
Ouais. C'est amusant comment toutes les... Alors, soit ils sont en communication, ou alors, simplement, qu'ils ont... c'est logique qu'on prie au soleil, parce que c'est un peu le centre de tout, quoi. Et faut pas... Et c'est des mecs qui sont dans le nord, donc l'hiver est un peu rude et la nuit un peu longue à ce moment-là. Donc le soleil est réellement un objet de culte. Pas aussi rude qu'aujourd'hui, ou en tout cas... Bah, tu vas prendre la météo, je crois, non? Oui, mais il reste... Ouais, la nuit, elle n'a pas bougé. La nuit bouge pas, ouais. Donc, on a ce culte solaire, ce culte de la terre-mère qui est très, très présent, où tu vois ben, des gens, des gros zizis, etc. Tu vois aussi sur l'autre photo que je t'ai envoyée, des glyphes, avec les animaux. Où tu vois des scènes de chasse, tu vois... Ça reste très proche encore de la préhistoire, mais ça a un peu évolué culturellement. Très amusant. Pardon, tu l'as pas dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Avec les dieux. Mais t'as aussi les bateaux à droite. T'as pas seulement les trois mecs avec les gros zizi. C'est qu'à droite, t'as les mêmes bateaux que tu m'as montré dans le musée avec l'autre photo. Ah, ben justement, je le garde pour la fin, pour lier les deux. T'as des bateaux partout. Si tu... en fait. Et si tu regardes la photo des casques. Ah oui, les casques. Et en fait, il y a on a retrouvé des casques à cornes. Des casques à cornes on se moque en bronze. Ouais, les Vikings avaient, enfin, les Scandinaves de l'époque avaient pas de casque à cornes, enfin en tout cas au 10e siècle. Non. Casques à cornes, ben c'est ça. Et ça, c'est des casques, c'est même pas des casques militaires, c'est des casques cérémoniels. Ouais, voilà, c'est pour peut-être les prêtres ou des trucs comme ça. Alors, tu trouveras toutes les explications que tu veux, mais moi je pense que c'est des casques religieux, des casques d'apparat, où tu es là. Pour tu portes le casque et dans des cérémonies tu te transformes en l'animal que tu es censé représenter, là un cerf, les totems animaux, et c'est un aspect tu deviens le totem. Donc, pour moi c'est vraiment très religieux, c'est très culture première, il y a rien de martial dedans, ou martial c'est juste t'es un mec, quoi. Donc pour faire un peu une sorte de... Là, on va descendre. Et là, il y a un autre truc. Tous ces aspects de dessins qu'on a vus, qui sont des pétroglyphes, on le trouve beaucoup à Bolusan, dans le sud de la Suède, ben, il y a aussi pas mal de bateaux, ou ce qui a été interprété comme des bateaux. Donc, on est toujours, grosso modo... Entre les années moins 1000 jusqu'à maintenant, on commence à arriver gentiment vers les années moins 500. Et là, si vous regardez à droite, ben, ça ressemble un peu à des bateaux, non? Et les bateaux ont souvent un point au-dessus d'eux qu'on peut imaginer comme étant des bateaux solaires ou des barques solaires. Et là, ça rappelle totalement l'Égypte. Mais... Pour le Nord, c'est plus vu comme les bateaux porteurs du soleil parce qu'ils voguent sur l'eau et ils sont des messagers, des porteurs du soleil. Le bateau est vu comme psychotrompe. Ça veut dire que c'est un bateau, c'est un moyen de communiquer avec les dieux, comme les chevaux, qui semblent être qui est un animal qui a été très vénéré dans la Scandinavie ancienne. Et si tu montes la photo noir et blanc, je sais pas si tu peux la mettre. Laquelle? Des bateaux dessinés. En noir et blanc? Bon, c'est pas grave. Attends. Tu m'as envoyé une photo en noir et blanc avec des bateaux dessinés. Ah merde, je l'ai oublié. Attends, vas-y, vas-y. Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je mets Samuel, ça me prend 10 secondes. Hop. Ah oui, elle est là. Hop là, c'est bon. Voilà. Et là, on a justement tous ces... vous voyez, ça ressemble vraiment à des bateaux. Il y a toujours ce point. Et maintenant, une chose qu'on ne sait pas, c'est que représentent ces traits qui sortent du bateau. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est une représentation de mâts? Est-ce que c'est des lances? On ne sait pas. Tout ça, c'est vraiment à vous d'interpréter et de trouver. On estime que c'est des représentations d'hommes. C'est ce qui est vraiment pensé.
enfin compris par les gens encore plus encore plus malins que moi. Donc il y a des bateaux et gardez de nouveau ça très en tête. Et Pépé, tu garderas cette image là pendant sous le coude. Il y a pas de temple. Le culte se fait dehors, se fait en plein air. C'est le chef de famille qui, les Romains disent par Tacite et beaucoup plus tard, et il semblerait qu'on ait des idées, qu'il y avait une classe de prêtres à cette époque-là. Les fermes se regroupaient dans des bosquets, dans des lieux très spécifiques pour des cérémonies religieuses, et ben là, tu portais le casque, et tu faisais grouic-grouic par terre, t'essayais de consommer la bière locale, et puis tu faisais la petite orgie qui va bien sous la pleine lune. On est grosso modo à ce niveau-là. Et tu dis merci aux dieux. Si tu fais... Pardon. Si tu fais au niveau des mots, dans la Scandinavie ancienne, il y a énormément de lieux de ville qui se terminent en Vié, en Högr, en Hof, comme en Islande d'ailleurs. En fait, tu as par exemple Vié, qui s'écrit V-E accent aigu, ça veut dire c'est le lieu le plus ancien qu'on peut reconstruire avec l'étymologie d'un lieu de culte de l'âge du bronze. Parce que ces lieux, Vié, c'est un bosquet sacré. C'est pour ça que, par exemple... Après, généralement, quand ils se sont christianisés, ils ont construit l'église sur le lieu, sur leur ancien lieu sacré, en fait. Donc, c'est resté, exactement. C'est rentré dans la langue, en fait. Exactement. Mais tu vois, par exemple, au Danemark, tu as une ville qui s'appelle Odinsvé, qui veut simplement dire le Vié, le bosquet sacré de Odin. Il y a, quand j'avais aussi parlé des Högr, les Högr, c'est des tumulus. Parce qu'à cette époque-là, on met en terre et on fait des tumulus pour enterrer les morts. C'est là. Et on fait, bizarrement, on met les gens dans des cercueils de bois, creusés dans le bois, dans un tronc entier. C'est là où je t'ai mis la photo, Pépé. Avec ça, c'est un dessin, mais la plupart des personnes d'importance sont mis dans un bateau et c'est peut-être pour aller glisser dans l'au-delà. Là, on peut pas dire, mais c'est la plupart des grands des personnages importants sont mis dans des cercueils, dans des bateaux en bois comme ça. Oui, chose encore très importante. Comment on connaît tout ça? Ben en fait, c'est l'époque des sacrifices dans les marais. Là, on commence à arriver vers les années moins 500, ça marche du tonnerre. C'est l'homme de Tolund, c'est là tous les mecs qu'on a retrouvés dans les marais du Danemark, de Suède. C'est pas là où ils ont trouvé là, le plus gros étron jamais fait. Un mec malade qui avait chié un étron énorme, et vu que c'est dans les marais qu'on serve très bien. À cause du... Exactement, ben c'est ça. Ils ont trouvé une énorme crotte, et genre, ils ont cru que c'était un animal, et en fait, c'était un mec qui avait chié, qui avait dû avoir une occlusion intestinale, et quand c'est sorti, il a fait un truc monstrueux, et genre, c'était le plus gros étron, ils l'ont trouvé dans un marais, justement. Parce que les marais conservent bien, il y a les épées, il y a des cadavres et tout, qui récupèrent, toujours encore aujourd'hui. Exactement, donc c'est... On sacrifie dans les marais pour toutes les raisons que vous voulez. Allez regarder sur Wikipédia l'homme de Tolund, T-O-L-L-U-N-D, et vous allez avoir des d'ailleurs la conservation de l'homme de Tolund est impressionnante. Quand tu vois que la gueule du mec, tu peux vraiment voir c'est un humain et pas juste une crotte qui sort de terre, quoi. Bon, là on arrive au chapitre très intéressant, qui moi, je trouve, est vraiment le plus qui m'a toujours le impressionné le plus. C'est les relations et les contacts avec l'extérieur. Pépé l'a dit juste avant, en gros, en moins 1200, tu as l'effondrement de l'âge du bronze dans tout le pourtour méditerranéen.
Mais à cette époque-là, en Scandinavie, les gens, ben, ils ont... ils ont pas encore appris qu'il y a du téléphone portable et ils n'ont pas entendu parler qu'il y a un effondrement de la société. Mais c'est une société en Scandinavie qui dépend uniquement sur le bronze. Mais il n'y a pas d'étain. Et il n'y a pas de... Ah putain, c'est quoi de cuivre en Scandinavie. Tout doit être importé. Ouais, on me demande, Samuel, au niveau des rites des morts, ils enterraient... Parce que dans tous les films et machin, on voit toujours les Vikings en train de brûler leur bateau avec le mort dessus. Mais ils enterraient aussi parfois le bateau directement. Exactement. Et en fait, là, alors ça, je dois un peu aller dans le futur, du prochain épisode. Mais il va avoir un changement de religion qui va se passer grosso modo dans les années 500 à partir de. Un peu avant, mais ça, les signes seront clairs à partir de 300 à 500 après Jésus-Christ, où la religion va se transformer d'un culte, comme je disais, chthonien, qui vénère les forces de la terre, en un culte qui vénère justement les forces de l'air, donc les forces de la guerre, les forces des dieux, des tempêtes, etc. Et ils vont changer le mode d'inhumation en enterrer, à brûler. Pour ceux qui n'ont pas de la peine, les esclaves, tu balances ça n'importe où. Est-ce que c'est répondu à la question ? Je pense. Ok. Mais la question, oui, et c'est pour ça que jusqu'en l'an 500, on va enterrer des gens, on va enterrer des bateaux, entièrement, et on va retrouver plusieurs bateaux du type bateau de Gottstadt, etc., etc. Mais là, pour retourner à l'âge du bronze, on est grosso modo entre 1000, moins 1000 et moins 500. Je vous ai parlé de la bronze, de la hache de bronze dont le bronze venait de Chypre. Mais on a aussi retrouvé bien avant quelque chose d'encore plus ancien, mais celle-là, cette fois, on l'a retrouvé en Égypte. On a retrouvé de l'ambre, et de l'ambre très spécifique, de l'ambre de la Baltique. C'est là où, en fait, il y a une route commerciale qui va rester en activité pendant très longtemps, mais il y aura d'autres routes qui vont se greffer dessus, mais on a ce qu'on appelle la route de l'ambre. C'est toute... Parce que l'ambre se trouve un peu partout, mais se trouve réellement en quantité astronomique sur les rives de la mer Baltique. Et on a cette culture de cette culture scandinave qui va commencer, qui va trouver ou avoir trouvé, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé, mais du bronze, ou être en contact avec les gens. Et puis les gens du sud, bah, eux, ils voulaient de l'ambre. Donc ils commencent à avoir des transferts économiques. Je descends dans ma barque le long des fleuves d'Europe centrale. Et t'as une route de la soie qui commence à se créer, qui arrive jusqu'à Venise. Oui, après, ça rentre dans tout le circuit méditerranéen standard de l'époque de l'âge du bronze, qui est déjà, en guillemets, globalisé. Qu'est-ce qui se passe en Scandinavie avec cette arrivée de ce départ de bronze, ce départ d'ambre, cette arrivée de bronze? Ben en fait, tu as des grosses chefferies qui commencent à arriver. C'est des confédérations claniques qui sont là pour tenir le marché, pour tenir la route. Ça sert à rien de faire la guerre avec les mecs qui sont en bas de la rivière parce que ton commerce, ben, il ne va plus monter, il ne va plus descendre. Donc, il faut garder ce commerce ouvert. Donc, il va y avoir d'énormes confédérations où tout le monde se tient par la barbichette et on préfère aller taper ailleurs que venir faire la guerre dans notre coin. Et on retombe de nouveau sur cet aspect où le bateau est le plus important. Toute cette... culture du bronze, quand j'ai dit ils importent tout le bronze, mais tout, que ça soit même le cuivre et l'étain, tout vient de la Méditerranée. Et ce qui se passe à partir de moins 1200, c'est qu'il y a l'effondrement de l'âge du bronze et le système, ben, il marche plus.
Les gars en Méditerranée, ben, y a plus à manger. Il y a des hommes de la mer qui rôdent. Les empires se sont cassés la gueule. Il reste que les Égyptiens, c'est tout. Ouais. Mais ben, y a plus de bronze qui monte. Les mecs, ils s'en foutent de l'ambre maintenant. Et ce qui se passe donc, c'est qu'on a un effondrement petit à petit des chefferies, des grosses chefferies scandinaves, des chefferies de l'âge du bronze. Pourquoi ? Ben, parce que ben, y a plus de bronze qui monte. Pourquoi être en paix ? Et c'est là où les gens vont. On va commencer dans le nord, qui est amené par aussi d'autres cultures, à commencer à pouvoir travailler le fer. On est aux environs de moins 500. Maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi bien voir. J'ai envoyé les photos d'épées. Oui. Alors, tu m'en as envoyé un paquet. Hein. Un, deux. Alors, oui, mais si tu arrives, mets-les toutes à l'écran. Ça peut se faire. Si tu arrives. Parce que dans le tas, il y a des épées celtes, des épées mycéniennes, qui datent de l'époque, et des épées nordiques, qui datent de l'époque. Franchement, il y en a, elles sont magnifiques. Hein. Wow. Et la question que je vais vous poser, laquelle est laquelle ? Putain, mais il y en a, elles sont énormes, quoi. Pouah. Ah oui, parce que tu sais, on est. Hey, une épée de l'époque, c'est pas un katana, hein, ça coupe pas, hein, tu meurs. Regarde, plus de. L'épée recourbée, Samuel. Ah, elle est belle, c'est celle-là. Ça, c'est côté. C'est pour choper le bout de tripaille et te barrer avec, tu sais. Putain, c'est... Voilà, elles sont toutes à l'écran. Et j'ai même l'épée tordue. Alors ça, c'est pour plus tard. Mycénienne en bas à gauche. Eh ben non. Les épées mycéniennes, c'est celles en bas à droite. Vous et les épées celtes, c'est celles en haut à gauche. C'est pour ça, pour montrer que les épées celtes en haut à gauche ont un style complètement différent des épées nordiques. Et les épées nordiques ont en général beaucoup plus proches des styles mycénins, donc de Mycène, de la Grèce, que les épées celtes, alors qu'elles sont plus proches. On a aussi des exemples, par exemple, Hérodote dit que des princesses hyperboréennes venaient régulièrement à Delphes pour sacrifier à Apollon. Et maintenant, si vous vous rappelez bien, Apollon, c'est quoi ? Ben, c'est le lieu du jour. Donc, on est de nouveau dans cette... Il y a tellement d'indices qui arrivent là-dedans que ça montre bien qu'il y avait une, non seulement une connexion entre Mycène et le Nord, parce que les marchands venaient chercher leur... Mais si les marchands circulent, les connaissances circulent aussi. Exactement. Le savoir-faire circule aussi. Les deux vont de mise. Donc c'est pas juste que du pognon qui circule, le savoir et les connaissances circulent aussi. La fin de la Grèce mycénienne, c'est 725 avant Jésus-Christ. Ça doit être dans... Uh-huh. Dans oui, ben bah moi je parle de l'époque, grosso modo, moins 1000, moins 500. Et donc, c'est pas des choses, tout d'un coup, il se réveille le lendemain matin. Salut, maintenant, on est plus proto-germanique, on est pré-nordique. Non, c'est des choses qui vont très lentement et qui mettent des siècles et des générations à changer. C'est aussi à ce moment-là, je le nomme en note passant, qu'on pense que les runes apparaissent dans le nord. Par l'influence mycénienne et grecque ou qui remonte avec le bronze. Et là, si j'entends parmi vous qui est d'autres qui commencent à me dire les hyperboréens, c'est les nouveaux comment on dit, c'est les Aryens, les hyperboréens, ils avaient des pyramides, la connaissance secrète du Nord, comme j'ai pu oser aller voir sur certains. Oh là là. Ah non, mais il y a des pyramides en Islande, Samuel, t'en as jamais entendu parler. Ah non, mais j'ai trouvé, je vais pas la nommer, mais j'ai trouvé une chaîne francophone où.
Ah bah, oh là là, des abominations. Ah non mais soit le mec, c'est un comédien d'excellence et il croit, mais à tout. Soit il a trouvé un rayon pour faire des vidéos et puis faire du fric avec. Bah c'est ça. Hein. Et il y a même des singes qui viennent voir alors qu'ils savent pertinemment que c'est pour Samuel. Ils vont surtout aller voir qu'est-ce qui se dit à gauche à droite, mais bon. Et donc, alors là, je vais aborder un sujet important. Je vous ai dit qu'il y a le fer qui commence à se... On est aux environs de moins 500 en ce moment, maintenant. Ce qui est en train d'arriver, c'est que le fer commence à se développer en Scandinavie. Et c'est pas du fer importé. C'est ça qui est extrêmement important à savoir. C'est du fer local. Le fer vient d'où ? Il y a des marais. Il n'y a pas de mine de fer. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Pépé, y a la mine dans EU4 ou dans Darkest Tower, il y a Kiruna. La mine de Kiruna, qui est la plus grosse mine de fer au monde, c'est paradoxal. À l'époque, ils ne savaient pas qu'ils avaient du fer, mais la plus grosse mine de fer du monde, elle n'a pas été découverte à l'époque. Donc en fait, ils n'ont pas de fer, de gisement de fer, alors que techniquement, ils sont assis sur parmi les plus gros gisements au monde, mais ils ne le savent pas à l'époque. Et puis c'est aussi surtout que même dans le centre de la Suède, il y en a aussi. Mais le gros problème, c'est qu'ils sont profonds et il n'y a pas le matos technique pour aller briser de la pierre par 50 à 100 mètres de profondeur. Les mecs avec leur bite, leur couteau, leurs jambes poilues, ils n'ont pas le savoir-faire. Et pas les moyens techniques. Donc comment ils font, Samuel, pour trouver du fer ? Alors, il existe, parmi tous les métaux ferreux, il existe un truc qu'on appelle la ferrite. C'est comme du fer... Mais c'est nul. Ça se trouve dans les marais. Et même maintenant, on peut encore en faire. Tu vas dans le marais, tu prends la tourbe, tu creuses, tu prends tes morceaux de terre, tu les fous au four, tu les brûles, pas tout gentiment comme dans un four. Il faut vraiment arriver à tout brûler très fort. Ce qui est pratique parce que la tourbe, elle génère énormément de chaleur en fait. Mais là, faut vraiment. C'est de nouveau. On est quand même dans un fourneau. Donc, c'est pas juste un petit feu de camp. Il faut quand même un fourneau. Et en brûlant ta terre, tu arrives à avoir, au bout d'un moment, des petits morceaux de fer. Après, ça dépend des marais. Certains en ont plus que d'autres. Qui sont pas purs. Tu vois, genre, c'est du fer. C'est de la ferrite. C'est du fer de très mauvaise qualité. Mais ça permet. En brûlant tes marais, enfin en brûlant tes morceaux de tourbe, tu arrives à avoir du fer. Et ce fer, ça te permet de faire plein de petits trucs quand même. Ça te permet de faire quelques épées, plutôt des coutelas. Ça te permet de faire des clous. Ça te permet de faire des masques. Ça te permet de faire tout ce que tu veux. Ça restait quand même une des matières les plus rares et les plus chères de la Scandinavie à l'époque. Il n'y avait pas. Je veux dire, c'était pas aussi populaire et répandu que dans le reste de l'Europe. Sauf que en Scandinavie, là, ils découvrent ça, ils n'ont plus accès au fer et à l'étain de Méditerranée, donc ils sont obligés de faire tout leur armement et toute leur métallurgie uniquement là-dessus. C'est pour ça que si tu regardes ce qui va devenir les Vikings bien plus tard, ces gens-là auront très peu d'équipement en métal. Tout est en bois. Même les bateaux, pourquoi ? Parce que les bateaux. Dans les bateaux, il y avait très peu de fer. C'était aussi l'avantage des bateaux scandinaves, dont tu reparleras sûrement la semaine prochaine. Ou même peut-être, je sais pas, celle-là, je pense pas. Mais ils étaient facilement démontables, remontables, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de clous dans la construction, parce que c'était un luxe d'avoir des milliers de clous, par exemple. C'était un luxe. Exactement. Donc, fallait trouver des solutions pour compenser le manque de fer. Et en plus, le manque, ils avaient que du fer de mauvaise qualité. Alors, ce qui se passe, vu que maintenant. Les grandes chefferies, quand je vous ai dit, ces confédérations claniques qui contrôlaient les fleuves, elles se disloquent sous l'apparition, soudainement, le moindre personnage un peu ambitieux peut faire travailler ses marais, trouver du fer, armer ses mecs de nouvelles flèches, de flèches d'armure, tout ce que tu veux,
qui sont en fer et plus en bronze, qui sont plus efficaces. Il n'a plus à prêter allégeance à une chefferie et au chef de clan. Maintenant, il peut devenir un chef de guerre à lui tout seul. Alors, on voit souvent dans les films, ils ont beaucoup d'épées et tout, mais à l'époque, la lance reste l'arme de base. Une hache, c'est déjà exceptionnel, et je crois que les épées sont rares. Les épées de belle qualité sont encore plus rares. les épées de base sont réservées à la caste haute ou 1%. De la société. Voilà. Ou 1%. Personne n'a d'épée, en fait. Et les 1% ont des épées de merde. Voilà. On trouvera ça dans les sagas qui seront écrits bien plus tard et qui relateront des événements d'encore plus tard, mais où ils disent il reçut une épée qui venait de France ou d'Allemagne, et en gros, maintenant, cette épée, c'est une épée plus 6, elle a un nom, elle te tabasse tout, elle se plie jamais, tout le monde a peur du mec, quoi, parce qu'il a une épée qui est pas de la merde, quoi. Tu m'avais parlé de l'anecdote dans les sagas où les deux héros se livrent un duel magnifique sur la colline, mais au bout d'un quart d'heure doivent arrêter le duel pour tordre leur épée et les remettre droite, parce que c'est des épées avec du fer de merde, et elles se tordent en fait sous les impacts, donc faut prendre le temps de les remettre droite pour pouvoir continuer à se battre. Mais c'est le fer scandinave en fait qui est de piètre qualité en fait, donc forcément tout ce que tu vas faire avec, ça va pas être, c'est pas du fer pur en fait. C'est simplement du minerai de fer impur, voilà, il travaille du minerai de fer impur. Exactement. C'est même pas qu'il est impur, c'est que c'est pas du fer, c'est de la ferrite, c'est le minéral en lui-même qui est, en fait, je sais plus c'est quoi l'histoire, mais il est trop élastique, il ne peut pas être travaillé aussi bien que du vrai acier, et il garde une élasticité. Qui est un avantage très intéressant. Ouais, ça peut être un avantage. Tu fais des clous. Pour les clous. Quand tu fais des clous et quand tu fais des bateaux. Et c'est là où, en fait, on a fait une découverte archéologique très importante. Le bateau de Hjørspring, au Danemark. J'ai mis la photo du bateau du musée. Magnifique. Voilà. Alors, ça, c'est un bateau. Et c'est un bateau qui date de environ moins 500 après Jésus-Christ. Avant. Avant, avant, je reste toujours avant. Parce que François Ier, On est en 500 avant Jésus-Christ. Et ce bateau, il y a l'autre photo où il y a les mecs qui rament, il y a une reconstruction. Et si vous regardez bien à quoi il ressemble... Ça ressemble vachement au bateau sur les gravures, en fait. Ça ressemble vachement. Attends, je vais la remettre. Et en fait, ces bateaux, donc cette recouverte archéologique, il y a un truc qui arrive, c'est que... Alors, d'abord, on va parler du bateau en lui-même. Ces bateaux, ils sont ce qu'on appelle à clin. Non, pas à clin. T'es perdu dans tes notes, Samuel ? Exactement. C'est des bateaux à rame ? Ah oui, ça s'appelle le bordage à clin. Ça veut dire que si tu mets la photo avec les deux types de construction, tu peux construire un bateau de deux façons. Soit tu mets des planches qui se calent, qui s'emboîtent les unes dans les autres, soit tu les colmates et tu les mets l'une à côté de l'autre. Et les Scandinaves de l'époque ont cette particularité, ils ont inventé cette technique de construire les navires avec les planches qui restent souples et qui s'emboîtent et se superposent l'une à l'autre et se tiennent en partie avec un clou. À l'époque, quand il y avait du bronze, les clous étaient en bronze, mais le bronze, ça rouille, c'est pas bon. Non, le bronze, justement, ça rouille pas, Samuel. C'est une de ses particularités. Oui, pardon. Ça rouille pas, mais par contre. À cause du cuivre, mais ça rouille pas. Ça rouille pas, mais par contre. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que le bronze, lui, ne reste pas, ne supporte pas l'eau prolongée. Avec le fer, à la rigueur, tu peux le dérouiller. Il y a des. Si le fer est entretenu, il rouille pas, tu vois. Et
Je vois que tu mets, t'as pas mis la. C'est laquelle hein, que tu voulais attendre? Celui qui est avec le truc où c'est écrit en anglais Clinkerbuilt. Attends, non. Attends, il faut que je retrouve mes bateaux, Samuel. De là, on va rentrer. Ah, pépé! Bah, c'était un peu le bordel, ton pot de pu. Ils avaient tous le même numéro, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bah, c'est T'aurais pu mettre organisé 1, par 2, 3, 4, chapitre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme ça je savais exactement quel ordre. Et t'avais qu'à dire le nom, mais moi j'ai. En plus, les noms à dormir dehors, Cork Spring, excuse-moi, mais tu sais bien que. Mais je trouve pas, Samuel, j'en ai. Attends. J'ai que ces trois-là pour le bateau. Attends, non, j'en ai Elle trouvé un. Non, ah si, c'est. s'appelle J'ai le glyphe aussi. C'est pas ça? c'est clinkercarvel.png. Attends. Je vais le retrouver. Hop. Clinker. Non, parce que toi et ta prononciation. Clinker. CLI. Donc c'est dans 5, c'est ça? Ouais. Non, elle est pas numérotée. Ah putain, elle est pas numérotée! Ah oui! Putain! Comment tu veux? Non, mais c'est pas ça. Mais ça me. Ah si! Mais comment? Je l'ai même pas mise! Comment je suis censé savoir, Samuel, si c'est pas numéroté, ce que c'est? Putain, et c'est de ma faute! Ah bah toujours, hein. Tu sais comment ça se passe Oui, ici. c'est vrai. Voilà, c'est bon, attends, je vire tout le reste parce que c'est un PNJ. Hop, hop. Hop. Voilà. En plus, ça rend pas très bien, mais les gens vont comprendre. Voilà. C'est bon, Samuel. Ah non, je me suis trompé! Non, c'est... Non! Attends, putain. C'est pas le bon. C'était celui d'à côté, regarde. Voilà! J'ai trouvé. Cette organisation déplorable! C'est bon. Non! Et là, Voilà. c'est parfait. Voilà. Vous voyez à gauche le bordage à clin, où les planches se superposent, et ce qui permet en fait au bateau, lorsque tu es en mer et que ça tangue un peu, parce que bon, la mer du Nord et la mer potentiellement Baltique, c'est pas la Méditerranée. Il y a des tempêtes un peu rigolotes en Méditerranée, mais la mer là-haut est beaucoup plus forte. L'avantage du bordage à clin, c'est que le bateau se déforme dans les vagues. Et il garde toute une souplesse qui lui permet justement de prendre les vagues et d'avoir un tirant d'eau très fin, très bas. Ça te permet de porter le bateau. Ouais, le Par fait exemple, qu'il soit moins rigide et plus élastique fait qu'il rentre mieux dans l'eau en fait. Il embrasse mieux, ses lignes embrassent mieux l'eau et la grosse mer. C'est pour ça qu'il est très bas sur l'eau en fait. exactement. Et il y a un autre problème. Bon, il y a un problème, c'est que vu qu'il est très, il se déforme dans les vagues, ben, il n'est pas étanche. Donc, tu passes ton temps à écoper. Ce bateau, enfin, le bateau spécifique, donc le bateau de Hirsch Spring, il fait quoi? J'ai oublié juste combien il fait, mais il fait une vingtaine de mètres, un peu moins de vingtaine de mètres. Et ce qui est plus important, c'est qu'il fait 500 kilos. Il fait 500 kilos C'est pas et beaucoup pour la taille du bateau, hein. on peut mettre facilement, si, sur la photo qu'il y avait eu avant, tu mets facilement 20 mecs. 20 mecs, 500 kilos, c'est pas un problème à déplacer ça. Donc tu fais ton petit truc, tu sais où. Ton petit trek, tu sais où c'est qu'il y a deux rivières qui s'emboîtent, ben, ils se traînent, ils se portent, c'est pas compliqué. Puis si tu as du matos dessus, ben, tu t'envoies le bateau, tu vas chercher la marchandise. Ce bateau-là et représente exactement le type de bateau qui sera utilisé pendant les 1000 prochaines années. Juste grosso modo en l'an 700 Ouais, après Jésus-Christ. c'est la base du Longskip un peu. C'est le Longskip et tous les bateaux standards qu'on verra en l'an 1000, c'est une amélioration, mais la base elle est là. Y a tout ce bateau est fait pour être un bateau de léger, transportable, ou mais ça. Et qui est aussi en mer. Le bateau de Hirschspring, il n'est pas réellement fait pour aller en mer, mais faire une traversée de 24 heures, c'est possible, si tu sais où tu vas.
parce qu'on sait que ce type de bateau-là, j'ai bien ce type, sera le type de bateau où les Angles et les Francs, en 300 après Jésus-Christ, 400 après Jésus-Christ, traverseront du Danemark en Angleterre. Ah ouais, bah ouais, forcément, il fallait bien des barcasses, donc ils ont pris ce type de bateau, en fait. J'ai bien ce type, et il y a un truc que vous aurez remarqué, il n'y a pas de voile. Ah, à la rame, hein, c'est simple. Hein. Et jusqu'en 400-500, ils sont à rame. C'est ça qu'il faut bien se rappeler. Il n'y a pas de voile. Il n'y a même pas un emplacement, les gars. Ils sont tous tués à la rame. Putain, traverser la Manche à la rame, même quand t'as intérêt à avoir des avant-bras de bûcheron, hein, parce que avec le vent et les courants, ça pique. Hein. Ouais, puis bon, t'as intérêt aussi que la saison soit un peu sympa, hein, parce que je crois pas qu'ils aient inventé le gilet de sauvetage à l'époque. Hein. Oh non. Pour l'anecdote, donc le bateau de Hirschspring a été retrouvé au fond d'un étang avec 131 boucliers en bois, 33 humbots, 138 pointes de lance, 11 épées à tranchant simple et toutes les épées ont été tordues. Oh merde! Et c'est là où tu as la photo de l'épée tordue. Voilà. Où en fait, l'épée tordue, ça on sait, est une marque de religieuse que la personne, enfin que la personne a été vaincue. Alors, c'est pas cette épée qu'ils ont retrouvée, mais c'est un exemple de ces épées tordues. Donc, c'est pas juste qu'ils prennent l'épée puis ils font quelque chose. C'est vraiment l'épée, elle est rendue inutile et ils ont, dans ce coin de Danemark, ils ont sacrifié tout ça dans le marais, dans l'étang, pour juste aux dieux en disant « Regarde Odin, regarde les dieux, nous avons gagné. » Et toutes ces choses sont à toi. C'était sûrement les épées des mecs vaincus en fait. Donc de toute la noblesse locale, ils ont pris les épées qui devaient valoir une fortune d'ailleurs. Et ils ont tout tordu et puis ils ont filé ça aux dieux. Voilà. Et c'est ça justement où on commence, c'est là où on commence à avoir une... À l'âge du bronze, ils ne faisaient pas ça. Donner aux dieux les victoires militaires comme ça, ils ne faisaient pas. Bon, les prisonniers, ça s'est toujours fait exécuter, mais ils ne donnaient jamais les épées en bronze aux dieux. On arrive aux environs des années moins 500 et plus tard, jusque vers aux environs de zéro, qu'il y a un changement dans la société religieuse et société tout court. Et il y a plus de guerres aussi. C'est simplement qu'on... On arrive et à une société plus belliqueuse, parce que quand t'as le commerce qui circule et que tout le monde est content, ça se passe bien. Mais si tu coupes ça, bah tu vas prendre chez le voisin ce que t'as pas, en fait. Peut-être le fer aussi, d'ailleurs. Donc, si et justement. Pour des ressources rares... Donc en fait, c'est une société beaucoup plus belliqueuse qui... La société change, en fait. La société change. Et c'est là où on arrive... L'équivalent actuel serait de balancer des lingots d'or à la flotte. Vu le temps qu'il fallait faire à l'époque pour avoir une épée en ferrite, déjà récupérer le matériel qui était déjà... On parle de vider un marais pour pouvoir faire une épée. Et en plus, le travail d'artisanat derrière, tord une épée et la balancer, ouais... C'est de balancer des lingots d'or à la flotte. Et vraiment des... On peut, pour donner une idée de la valeur d'une épée, d'un bateau, parce qu'il faut aussi voir la valeur du bateau. Sur un bateau, il y a en moyenne 150 kilos de fer, de clous. Putain, ça devait valoir une fortune, hein. Pour une épée de fer en stade final, tu as environ 1,5 kg à 2 kg qui ont été utilisés. Donc, quand on dit sur le prix, le poids, le coût d'un bateau. Un bateau, en termes juste de fer, c'est une armée pour l'époque. Donc, tu joues pas au con avec, tu vois. Non, mais ton bateau, tu fous le bateau est plus important que la vie des mecs et des épées. S'il faut, tu jettes les épées à la flotte, mais tu gardes le bateau à flot. Alors là, je vais faire une sorte de... Je vais arriver un peu sur la fin de mon exposé parce qu'on va parler des... On va faire une première
sorte de récapitulation, mais où je vais parler des années moins 200 à plus 700. Et je vais faire une récapitulation en disant qu'est-ce qui va changer à cette époque, parce qu'on arrive dans un monde qui est, et de façon très globale, qui change très très fortement. On va avoir l'Empire romain, enfin on va avoir des superpuissances qui vont émerger dans ce coin-là. Qui vont émerger, mais qui vont mourir aussi. C'est ça. Que ça soit Rome ou l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, ouais. Vont interagir avec le monde scandinave, où tu vas avoir justement, on sait par exemple que dans la région de Bergen, on a retrouvé des tombes de chefs d'environ moins de plus 200, plus 300. Et ces mecs-là, on a retrouvé plusieurs artefacts et de l'or romain. Alors, on voit souvent l'Empire romain avec ses frontières militaires, mais on ne se rend pas compte à quel point le monde marchand romain s'étendait beaucoup plus loin jusqu'en Inde, et qu'on a eu des marchands romains qui sont peut-être allés jusqu'en Chine, on n'en sait rien, mais on a eu des marchands romains qui souvent allaient en Inde pour récupérer la soie chinoise d'ailleurs, mais le monde marchand romain était incroyablement poreux par rapport à ses frontières militaires en fait. Donc oui, s'ils sont allés jusqu'en Inde, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, on dit souvent que si Jules César était aussi bien renseigné sur les affaires gauloises, c'est parce que ces marchands étaient là depuis plusieurs décennies et que ça achetait du vin contre de l'huile et tout ça. Donc c'était un monde que... Donc forcément, ils sont en Scandinavie, sans aucun doute. Pour l'ambre, ils sont en Alors, pour l'ambre en partie, il y a énormément... Et puis simplement parce qu'il semblerait que dans les années moins de plus 200, plus 300, les Romains préfèrent engager des mercenaires scandinaves et que tu as des bandes de mecs qui vont faire le coup de main sur le limès contre les barbares locaux, payés en or par les Romains, parce que les Romains préfèrent avoir des barbares qui viennent de loin, quitte à payer le transport, plutôt qu'à d'avoir des mercenaires romains, des mercenaires barbares d'à côté. C'est trop politisé à ce niveau-là. Bah, on emploie des barbares pour se défendre contre d'autres barbares, quoi. Exactement. Donc, c'est le monde scandinave connaît Rome. On sait qu'il y a des contacts, mais on ne sait pas encore vraiment à quel point l'ampleur et l'intensité, mais ils se connaissent. Il se passe qu'on arrive gentiment au niveau... Aussi, le climat change beaucoup. Ouais. On commence à entrer dans ce qu'on va appeler l'optimum médiéval climatique. On y arrive. Ce qui veut dire qu'il fait plus chaud en moyenne. Les marées s'assèchent, donc on peut commencer à faire de l'agriculture. Ce qui veut dire que les récoltes augmentent, ce qui veut dire que les gens augmentent, les hommes augmentent, il y a moins de place. Donc il y a besoin d'envoyer des mecs crever ou en tout cas aller faire leur aventure à l'étranger. Ouais, on a un boom démographique en Scandinavie, et ce boom démographique fait que par contre il n'y a pas assez de... Bah, on se retrouve avec trop de bouches à nourrir. Trop de bouches à nourrir, et pas assez de place, et plus de possibilités de pousser. Ouais, rappelez-vous qu'on vit au bord des côtes. L'intérieur des terres n'est pas colonisé. Donc forcément, on a... tout est limité au niveau espace. Alors que quand on regarde la carte de la Norvège, c'est quand même gigantesque en fait. Mais tous les gens sont entassés dans des petits fjords. Et croyez-moi, les fjords, c'est petit as fuck. Ah putain. Là, on peut faire un lien, par exemple, avec ce que je suis en train d'expliquer, avec une des raisons pour lesquelles le mercenariat suisse explose au XIIIe et XIVe siècle. C'est pas parce que les Suisses sont foncièrement et génétiquement meilleurs que le reste de l'Europe, c'est que la peste n'a pas réellement affecté les montagnes suisses et les vallées suisses, et donc tu as des surplus d'hommes. Ouais, en fait, grâce là où toute l'Europe a pris 50% de mortalité, à part quelques coins reculés, la Pologne par exemple, enfin certains coins ont été bien épargnés quand même, enfin, la Suisse, de par son isolement géographique, a pas eu de mortalité, donc elle se retrouve avec, comparé au reste de l'Europe, elle a plus de monde en fait. Et donc, les mecs, ils veulent pas partir et s'exiler, donc ils vont faire le coup de main sur les champs de bataille, ils reviennent avec trois pièces d'or. Là, les raisons vont être différentes avec la Scandinavie, parce que la Scandinavie va être plus due à plusieurs circonstances, entre autres avec les températures qui se réchauffent, et peut-être qu'il y a eu aussi des nouvelles techniques agricoles qui ont circulé,
Donc, et cumulé au fait qu'on a augmenté la surface des terres arables, les deux mis ensemble, bah, on se retrouve avec un boom démographique en Scandinavie. Alors, ça, en fait, c'est tout ce que je vais expliquer, c'est des choses, là, je suis en train d'expliquer sur qu'est-ce qui va mettre en avant pourquoi il va y avoir un phénomène viking. Donc, il y a un surplus d'hommes. Une société qui change, ça fait grosso modo 1000 ans que le fer est là et qu'on a une société qui devient de plus en plus guerrière, où la baston est plus présente qu'avant. On a un changement de société par un christianisme qui commence à apparaître. Et si au début, dans les premières années, on a un christianisme qui est plus ou moins tolérant, enfin pas tolérant, c'est pas jusqu'à dire, mais qui ignore parce qu'ils ont ils doivent gérer les païens de l'Empire, à partir de Charlemagne, ça devient un petit peu... c'est pas très Charlie, hein, ce qu'ils commencent à faire. Entre Charlemagne qui ordonne l'exécution de 50 000 personnes parce que c'est des païens, ça, il tient plus de Boko Haram que... Il n'y aura pas une campagne de Charlemagne contre des Danois, d'ailleurs ? Contre les Saxons. Voilà. Contre les Saxons. Ou il va y avoir des tensions. Disons que les nazis sous le front de l'Est n'ont rien inventé. D'accord. Non, ça, la campagne a été une campagne de la campagne contre les Saxons de 700, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais 740, un truc comme ça. Ça a été, ça parle saxon, oui, mais on tue. Hommes, femmes, enfants. Ça a été, donc il y a un christianisme beaucoup plus agressif à l'époque de Charlemagne, mais comme on disait avant avec les empires, une fois Charlemagne mort, l'empire carolingien s'effondre. En fait, ce qui va provoquer donc l'avènement des Vikings dont tu traiteras la semaine prochaine, c'est tout s'accumuler. C'est-à-dire qu'on a plus de super. Ah, j'ai pas fini. Il y a énormément de trucs. Il y a le commerce. Le commerce change. Alors qu'avant, on avait un axe baltique, monde méditerranéen. Avec l'avènement de l'empire carolingien, on a un commerce dans la mer du Nord, centré sur la Frise et sur l'Angleterre. Et on a si les mecs ils peuvent te faire des raids en petit bateau en mettant 20 mecs dessus, ben ils peuvent aller en cabotant plus loin. Ils peuvent aller depuis le Danemark jusqu'en Hollande, c'est pas un problème. Bien sûr. Donc on a comme les Scandinaves commencent à changer et à voir qu'il y a un monde autour de la mer du Nord. On a les techniques de bateau, bien sûr, qui commencent à s'améliorer. Le bateau de Hirschspring devient, en tant que techniquement ancien, et il y a plein d'autres nouvelles façons de construire ces bateaux qui font qu'ils sont plus forts, plus souples, qui prennent plus de poids, etc., etc. Et la voile aussi, Samuel, c'est con, mais... Non, la voile n'arrive pas encore. Encore la voile, putain, mais... La voile, la première représentation et d'un bateau à voile dans le monde nordique, c'est 7e siècle. Oh merde, putain, mais ils ont pas vu une galère romaine ou un truc comme ça traîner dans le coin? Bah non, ouais, pas savoir. Ça, c'est non, pas... seulement, en fait, ça c'est un truc. Tu sais qui était le premier pourvoyeur au 12e siècle de voile en Europe du Nord? Non. L'Islande. Oh merde, c'est l'Islande qui faisait les... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans le Nord, dans le monde nordique, les voiles étaient faites en peau de mouton. Ça s'appelle du Vaudmal. Et forcément, l'Islande qui était un... Avec ses moutons, voilà. Une énorme terre de pâturage. Et puis, ça peut simplement être que les Nordiques, ils n'avaient pas les moutons pour faire la peau. Au bout d'un moment, quand tu as de la peau de mouton, tu préfères peut-être faire une armure de cuir qu'une voile. Bah ouais, ça dépend du nombre de moutons. Et c'est vrai que l'Islande, sur ce point-là... avait des espaces gigantesques pour faire du pâturage de haute intensité. Ah putain, c'est le cas de le dire. Hein. Donc forcément, une fois que t'as fait tes armures et que t'as fait tout ce que tu dois faire en cuir, tu te dis, on va faire des voiles. On arrive donc à ce qui se passe après, on commence à avoir des idées de centralisation. On a donc le chef de guerre... Depuis le début de l'âge du fer, on a des chefs de guerre qui commencent à se rassembler et qui existent en tant que petits chefs de guerre de la vallée. C'est le mec, en gros, il a une épée en fer, une armure, enfin un casque en cuir, et c'est lui qui terrorise la vallée, et c'est lui le chef. Mais dans la vallée d'à côté, il y a un autre qui lui ressemble comme ça, et ils se font la guerre depuis des générations.
et ces petits chefs de vallée commencent à être en contact avec une idée qui s'appelle le christianisme, et cette idée de christianisme est là une chose qui est absolument complètement opposée à tout ce que ces gens connaissent. C'est là une société hiérarchique. Dans l'Europe païenne du Nord, tu es chef parce que tu l'as pu, tu l'as voulu et tu l'as fait, les dieux t'ont favorisé, bidule machin. Que tu contrôles ta ferme, ta vallée ou une grosse vallée. Parce que j'avais lu des trucs sympas où il y avait eu une... Il n'y a pas eu une grosse éruption volcanique au 5e ou au 4e siècle. Si, si. Et qu'ils mettaient à mort leur chef de tribu, parce qu'ils étaient encore... Ils étaient encore païens. Ils mettaient à mort leur chef de tribu parce qu'il est considéré comme « T'as pas été béni par les dieux, t'as pas ramené une bonne moisson et on te bute, c'est ça ?» Et... C'est exactement ça. Mais ça, c'est des survivances de l'âge du bronze où on a de la royauté divine. Voilà, tu es roi. L'avantage du christianisme, c'est que tu t'écartes de ce genre de choses éventuellement. Et aussi, s'il y a un dieu, ben, il y a un roi. Et pas 25. Ouais, il faut que tu expliques. On m'a posé la question, est-ce qu'il y a des royaumes à l'époque? Mais tu as répondu, non. Le royaume, c'est le vallée, quoi. C'est la vallée, quoi. C'est le fjord. Exactement, c'est ta vallée, c'est le fjord. Tu es le chef. Pourquoi? Ben, parce que, entre guillemets, plus ou moins les dieux l'ont dit, et puis parce que ton gros gourdin, il tape très fort. Voilà. Il y avait, alors maintenant, à la fin de l'âge du bronze, jusque vers les années moins 500, tu n'as pas de royaume, mais tu as des confédérations claniques qui contrôlent des coins. Tu as le clan, je sais pas moi, le clan des sangliers avec celui des pélicans et le clan des marmottes. Ces trois-là forment une entité qui se font pas trop la guerre parce que c'est mauvais pour le commerce. Est-ce qu'on peut déjà parler de Jarl, alors Absolument pas. C'est bien plus tard que le terme... C'est bien plus tard. C'est bien, bien plus tard. Donc, en fait, sous l'influence latine, les Scandinaves vont appeler... Alors là, on le sait par les écrits du 11e et 12e siècle, quand ils expliquent des choses qui se passent au 7e. Donc, tu vois la distorsion au niveau du temps. Ils appellent ces roitelets Konungur, qui veut dire roi. C'est pour ça qu'on a cette vision qu'il y a des rois. Non, il n'y a pas de roi, il y a des roitelets, il y a des chefs de vallée. Faut imaginer les Iroquois. Ouais, c'est ça. C'est une tribu. Il y a un chef ou le conseil des anciens. Pourquoi? Ben, il y a Jean-Jacques. Ben, il a 28 ans, donc il est vieux. Il y a le fils du chef. Et il y a le chef plus le grand prêtre. Et voilà, c'est la royauté, le conseil de régence. Je sais pas comment vous l'appelez. On a un changement de religion qui arrive aussi, comme j'avais dit, on commence, la religion chtonienne disparaît au profit de tout ce qui devient les dieux qui sont beaucoup plus centrés sur l'action. On a donc des gars du genre Thor qui devient très très présent et qui entre réellement, parce que Thor n'est pas un dieu du bien, c'est le dieu qui protège, c'est le dieu qui fait. On arrive à une disparition de Tyr. Tyr était le dieu, un des dieux principaux qui organisait la loi et qui tenait la société. Ce dieu disparaît en tant que dieu principal au profit d'une espèce de va-nu-pied, plus ou moins dieu de la mort, un espèce de filou de première qui s'appelle Odin. Odin semble avoir fait un coup, a été favorisé par les chefs, ces petits chefs de guerre de vallée. Pourquoi? Parce que Odin est le dieu de la victoire. À n'importe quel prix. Et donc, on commence à avoir quand j'ai dit plusieurs types de dieux qui commencent à se transformer, et une religion beaucoup plus axée sur l'action et plus sur le culte de la terre-mère et des esprits et compagnie. Ce qui veut aussi dire que on commence à changer les méthodes d'enterrement
Et c'est maintenant où on va commencer à faire de la crémation, même pour les petites gens. Et par extension, on arrivera sur la crémation de, des bateaux et des jarls et tout ça sur leur bateau. On a, bon, on a parlé du changement géopolitique entre les Carolingiens qui attaquent. Les... On a aussi un autre gros, grand problème. On a les Huns qui apparaissent et qui poussent tout le monde et qui tout le monde se jette sur l'Empire romain. Et les gars du Nord, ben, ils se disent, faudrait peut-être aussi les jeter à couler ce qui se passe là-bas. Ils bloquent, les Huns bloquent également ben, toute la coupure avec, ils bloquent avec le, la route avec le monde méditerranéen. Je vais un peu vite. C'est aussi le moment, ça c'est très, qui est très rigolo, parce que c'est le moment, dans mes notes, je l'ai appelé, c'est l'âge des héros. Cet âge des héros, c'est le moment où tu as tout ce qui a les grands cycles, genre le cycle de Sigurd, le Nibelungen, les Volusungar, tout le Beowulf, c'est toutes ces années-là. C'est la disparition complète de l'âge du bronze pour l'apparition des grands chefs héroïques de l'âge du fer qui découvrent un monde qui est détruit et qui permettent de se jeter à l'attaque dessus. Bon, tonton Pétain demande le chamanisme. Mais c'est plutôt que ça, le... Alors, non, c'est exactement ça. Quand tu avais fait... Tu m'avais prêté... Enfin, tu avais fait une foire aux livres sur le mec... qui avait écrit sur les Mongols, je sais plus comment ça s'appelle. Roux. Roux, voilà. Là, en fait, le chamanisme nordique est exactement... Mais, alors, sauf que c'est pas Tengri, mais c'est la même chose que le chamanisme mongol. C'est des gens qui vivent sur des espaces fluides, que ce soit la steppe ou la mer, qui ont une vision des dieux où ils s'en foutent de ça, d'avoir un dieu universel qui a la vérité, ils sont complètement en dehors de ce système-là, et en fait c'est pour ça où le bouquin Yggdrasil explique très bien ce chamanisme nordique, parce que toute la religion qui va être la religion des Vikings, qui est un dérivé de la religion de l'âge du bronze, c'est uniquement du chamanisme, et c'est très proche, par exemple, de ce que les Sams et les Lapons pensent, c'est exactement ça. J'essaie de terminer un peu rapidement et je vais terminer en parlant d'un dernier aspect, le commerce. Comme j'ai dit, les Germains et les Nordiques sont en contact avec les Romains, donc il y a du commerce qui passe. Et à partir du 200, de plus 200 à plus 700, les Nordiques avec les améliorations techniques, ils commencent à connaître de plus en plus de monde, vont de plus en plus loin. Et les bateaux, comme vous avez pu voir, bah, tu vas toujours à la rame. Donc tu peux aller de plus en plus loin, mais pour ça, il faut avoir des comptoirs, d'une façon ou d'une autre. Et on commence à avoir des rapports ou des annales qui parlent de marchands qu'on a identifié comme Scandinave, qui commence à apparaître en Angleterre et en Francie aux environs du 4-5e siècle, donc avant les grands raids. Les ports étaient gelés combien de temps? Bah, ils n'étaient pas gelés. Mais il n'y a pas de raid parce qu'il n'y a pas de port. Les bateaux, tu échoues le bateau. Dans les fjords, il n'y a pas de port, c'est des plages. Le bateau a un mètre de tirant d'eau. Donc ça veut dire que tu l'échoues, tu dis tous les mecs aux mecs à gauche, et le bateau, ben, il penche à gauche. C'est ça. Et puis après, si tu es en train de faire de l'exploration ou des trucs un peu bizarres, ben, tu prends tous tes mecs, tu retournes le bateau, tu le tires à 10 mètres au-dessus de la plage, tu le laisses vraiment sans dessus-dessous, et ça te fait un abri pour la nuit. C'est ça. Tu démontes le mât si t'as moyen de le faire, et puis t'es abrité. Hein. C'est des bateaux sans quille, du coup. Ils ont une quille. Exactement. Elle est minime. Mais elle est minime, en fait. Mais c'est des bateaux qui tiennent magnifiquement la mer.
c'est ils magnifient la, ils tiennent la mer quand ils sont dans le sens du courant. Ils sont pas bien s'ils prennent le courant de côté. C'est pour ça qu'ils remontent aussi facilement les fleuves, parce que il y a un faible tirant d'eau sur le bateau. Ce que tu pourrais faire avec une galère romaine, par exemple. Le bateau qu'on a retrouvé, donc les bateaux les plus lourds de la fin du 10-11e siècle, donc les machins, vraiment les porte-avions de l'époque, ils ont 1,50 m à 2 m de tirant d'eau. Putain, c'est énorme pour un bateau scandinave, 2 mètres de tirant d'eau. Non, mais c'est énorme. Une caravelle, elle est à quoi? Elle est quasiment à 15 mètres. Peut-être pas quand même. Non, c'est... Peut-être pas. Bien 5-6 mètres, facile, ouais. Ouais, bah, tu as les Knorr de l'époque, donc les tout derniers modèles, les machins qui sont vraiment les porte-avions, ils sont à 2 mètres. Ils sont à la moitié d'une caravelle de 2 siècles plus tard. Donc les petits navires de commerce, on va dire, ils sont à même pas 80 cm. Tu montes, tu remontes n'importe quoi, tu vas dans n'importe quelle flaque d'eau avec ça. C'est clair. Sans problème. Même à marée basse et tout, hein, tu t'en fous. Ah ben ouais. Tant que t'as de l'eau, normalement à 2 mètres, t'es tranquille. Hein. Donc on a un problème maintenant avec notre commerce. On a des petits bateaux. T'arrives à mettre un petit... T'arrives à mettre du matos dessus. Par exemple... tu peux bien plus tard au 8-9e siècle, tu peux mettre jusqu'à 30 tonnes sur un navire spécialement fait plutôt pour la... On a retrouvé des navires qui pouvaient avoir jusqu'à 30 tonnes dessus. Mais 30 tonnes de chargement, c'est peu. Bah, en fait, tu comptes déjà tout le personnel qui va avec toi. Hey, tu prends 10 mecs qui font 100 kilos. La bouffe, les rames, tu prends tout. Tu te retrouves... Le ballast. Ouais, tu te retrouves avec très peu de place. Tu divises par 2, par 3, la quantité, le tonnage effectif de marchandises. Donc t'as intérêt à rentabiliser à mort ton voyage. Exactement. Et c'est pour ça que les mecs, eux, ils ne dealaient que dans la marchandise de luxe. Ce qui veut dire l'ambre, mais les fourrures, l'ivoire, les esclaves. C'est grosso modo tout ce que le Nord exporte de ce pays. Enfin de là. Alors on a aussi un peu du miel. Plus tard, au 12e siècle, on aura de la laine qui va commencer à avoir. On aura aussi beaucoup tout ce qui est, comme j'ai dit, fourrures et des peaux. On va avoir, j'ai parlé d'ivoire et beaucoup d'ivoire, jusqu'au quoi, tu le sais aussi, tu m'avais dit, jusqu'au 12e siècle, le seul ivoire qu'on a en Europe, c'est l'ivoire de Morse qui vient d'Europe, vient de Norvège ou du Groenland. Les autres baleines et, encore mieux, des faucons du Groenland. Ouais, les faucons guirs. Exactement. Et si je... c'est peut-être quelqu'un qui saurait, mais j'avais cru lire une fois que un des fils de Charles le Téméraire s'était fait rançonner contre un faucon du Groenland. Ouais, mais ils étaient incroyablement chers à l'époque. C'était les meilleurs faucons de chasse parce qu'ils sont des petits aigles. C'est la plus grosse espèce de faucon. Les faucons guirs, ils vivent et ils valent incroyablement cher, les faucons guirs. Et on les trouve que sous des latitudes nordiques, en fait. Et je crois qu'aussi le premier ambassadeur du Danemark qui allait voir c'était quoi, Soliman, à la cour ottomane, il avait amené deux faucons guirs. Parce que ils ont pas intérêt à crever en route, les faucons. Ah non, bon ben voilà, je les ai empaillés. mais ouais, c'était l'espèce de faucon la plus chère. Et comme elle était très rare, elle était aussi difficile à trouver, encore plus à dresser, parce que fauconnier... Ouais. Accroche-toi, c'est pas un animal sauvage, hein. Il faut qu'il soit au courant de comment ça fonctionne la chasse. C'est pas pantoufle, ton petit ronron adoré. Ça. Hein. Et ouais, ça faisait partie des biens les plus chers que la Scandinavie pouvait exporter, le faucon guir avec l'ambre et l'ivoire.
Mais on va Par dire que contre. l'ivoire, c'est quand même tard, parce qu'il a fallu que. Ah C'est oui! pas. C'est le 10e siècle, il a fallu que Éric le Rouge aille se C'est. pointer au Groenland, dans sa première colonie. Ah, c'est un peu Il y en avant. avait un petit peu qui arrivait depuis l'extrême nord. L'extrême nord norvégien. Mais ouais, c'est pas. Voilà. Mais ça restait un bien extrêmement cher, en tout cas. Donc ouais, on va dire que les Scandinaves étaient. Vu qu'ils avaient pas beaucoup de place sur leur bateau, bah rentabiliser au maximum avec des biens de luxe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils importaient? Ben, ils n'importaient pas grand-chose. Ben, ils avaient besoin de rien, leur façon de vie leur convenait, mais surtout, en fait, ils importaient tout ce qui était luxueux pour eux. Et il y a deux choses très importantes, trois choses qui ramenaient beaucoup. Du verre. Tout ce qui est verre était considéré. Ils connaissaient pas la technologie du verre. Donc le moindre vitrail, le moindre verre à boire, la moindre casserole, je sais pas quoi, ils achetaient ça. Et ils adoraient ça. Tout ce qui est textile, le fin textile, semblerait, d'après ce qu'on est plusieurs retours de missionnaires, que les Scandinaves étaient très vaniteux et qu'ils adoraient les belles choses, donc une belle arme, un beau manteau. Et si tu voulais vraiment t'en faire un ami, tu lui offrais une cape rouge. Le cap rouge. La couleur rouge était impossible à avoir dans la Scandinavie, parce que tout était, en fait, le rouge, à cette époque-là, faisait pas partie des teintures naturelles. Tout était en brun. Et donc, une cape rouge détonnait. C'était un symbole de luxe. Comme le pourpre. Exactement. Pour ceux qui l'ignorent, Et. le... Vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y, vas-y, Le pourpre, il n'y a qu'une seule façon d'avoir du pourpre. C'était pour ça que c'était pendant longtemps, ça a été la couleur des empereurs ou des rois. Parce qu'il fallait faire dégorger et fermenter un coquillage. Et il fallait laisser pourrir le coquillage pendant genre 2 semaines. Et le jus et l'odeur étaient absolument infectes. Le jus que vous alliez récupérer, vous alliez pouvoir faire une teinture pourpre. Et c'était le seul moyen d'avoir cette couleur incroyable qui était le pourpre. Donc c'était pour ça que plus la couleur était rare, plus elle coûtait cher. Donc c'était seulement la couleur des empereurs ou des rois. J'ai mis une photo de Faucon Gear, Samuel. Gear, mais Gear en islandais, c'est Geir. C'est ça. C'est comme le prénom. GEIR, non, GEIR c'est Geir et c'est des levures. Ah merde. J'ai écrit, j'ai dit dans le chat Geir. C'est Gear, Gir alors. Gyr. J'ai Y, je crois. Ouais, c'est ça, Gyr. Putain, excellent. Ouais, j'ai mis une photo de Faucon Gear, elle est magnifique. Oh, c'est des beaux bestiaux, hein. Il a son pelage. À chaque fois que je suis allé à Mivat, j'en ai vu des Faucon Gear. Tu les vois, hein, ils volent Oui. et ils sont tout le temps à traîner. Ils volent pas comme les autres. Un faucon gerfaut en français. Il a le même regard que toi, Pépé, perçant. Ouais, bah en tout cas, Non. j'espère qu'il a pas la même vue que moi, sinon il va crever de faim. Pépé, il s'est perdu dans son propre salon, hein. Oui, il est beau et surtout il est très gros pour un faucon. Il est énorme. Et le même bide, j'ai aucun bide, mec. Tu verrais, je suis taillé magnifiquement taillé. Straken, mauvaise foi. Si, si, non, non, Pépé, des fois, tu as du bide. Par comme un boa, tu manges une fois par mois, et c'est à ce moment-là que tu as du bide, et on voit la marque de ce que j'ai dû en manger. 15 kilos de sushi après j'hiberne pendant un mois. Voilà, on arrive grosso modo je vous ai fait une petite description de qu'est-ce qui a changé entre l'âge du bronze et les années 700 après Jésus-Christ. Ça faisait un peu une sorte, j'essaie de Une finir rétrospective, ça quoi. un peu rapidement, c'est un peu vite, mais on pourrait encore être là pendant des heures. Normalement, la semaine prochaine, je vous fais justement l'âge viking proprement dit, donc des années qui vont être de 700 après Jésus-Christ à l'an 1000. Et si vous êtes sage, je reviendrai peut-être et je vous ferai l'âge viking après la fin des vikings.
Donc là, on va rentrer dans, alors... le, dur du... on va rentrer dans le dur du sujet. Voilà. Alors maintenant, rassemblez vos questions, vos remarques, et histoire que je m'en fiche, je vais aller me prendre une bière, il fait soif. Mais vas-y, fais donc. Hop là. Pépé, fais l'animation. Ah, t'inquiète pas, je suis bon pour ça, je fais aussi les bar mitzvah. Ah ça c'est moi, la concurrence sur le créneau. Hey, il y en a pas un Samuel, je mets ma petite, ma kippa là, et puis c'est parti. Hein. Les Vikings n'ont jamais été envahis. Bonne non. Question. Non. 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 Voilà. Non. Mais alors, ils n'ont jamais été envahis physiquement. Jamais eu de. Par eux-mêmes, ils ont été envahis. Puis, vu qu'ils passaient leur temps à se battre entre eux et à envahir le fjord voilà. du voisin, ils s'envahissaient entre eux, en fait. Voilà. Il faut voir qu'on parle des Vikings, mais ça n'a jamais été une entité unifiée d'une non. quelconque façon. En fait, la seule façon dont les vies, une des façons. Que dont les Vikings ont été mis au pas, c'est le christianisme. Le christianisme a terrassé ce qu'on peut appeler pour ce pourquoi les Vikings allaient faire le coup de main à l'étranger et a mis en place l'idée de la royauté à un roi qui contrôle le pays. Alors qu'avant, n'importe quel roitelet pouvait dire « c'est moi le patron, cassez-vous ». Là, il y a un roi, un dieu, un évêque. Et c'est ce que je disais, c'est cette idée de la centralisation, de la hiérarchisation des rapports qui a tué la Scandinavie païenne. Bah ouais. En tout cas, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, Samuel. Même heure, 20h. Puis là, tu sais que t'avais Macron en concurrence, hein. Il y a Macron ouais, qui bon. Fait son élocution funèbre. Oh, putain, je n'ai pas adoré ce discours de croque-mort là, mais. Je vois que Alpha dit comme le Danemark de Pépé, c'est trop pauvre pour être intéressant. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. Les gens comprennent. Non seulement il n'y a pas de ressources naturelles à l'époque. Mais il n'y a personne. Faut imaginer. Maintenant, imaginez un truc. En France, vous avez quoi maintenant? 60, 70 millions de personnes qui habitent là-bas. Et vous vous êtes pris la Première et Deuxième Guerre mondiale dans la gueule. La Scandinavie, qui n'a jamais eu de guerre meurtrière, ils sont, en comprenant les trois pays, ils sont 20 millions de nos jours. Faut bien vous rendre compte de ça. C'est un pays... vide, il n'y a personne. Ouais, c'est vide, ouais. C'est vide, c'est pauvre, il n'y a rien. Il y a Eltouk qui demande, est-ce que c'est vrai que les Vikings passaient par les fleuves russes pour aller faire du commerce dans la mer Noire? Alors, c'est absolument vrai, c'est en partie ce que je vais parler la semaine prochaine. Et ils n'allaient pas que en mer Noire, ils allaient en mer jusqu'en mer Caspienne. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a retrouvé dans plusieurs tombes suédoises par exemple des Bouddhas de jade, des de la soie terrestre. Et ouais, des épices. Il semblerait que ils connaissaient la cannelle. On a retrouvé des tombes avec de la cannelle dedans. Ils sont restés combien de temps au Québec? Tu veux? Alors c'est pas Québec, c'est plutôt la Terre-Neuve, mais je crois que c'est 60 ans, 50 ans, Samuel, c'est ça? Alors, on a une preuve d'une maison qui semblerait avoir été un stop ou un lieu d'hivernage ou qui a été en activité pendant environ un siècle. Un siècle, donc ouais, trois générations. On a, il y a des... Pourquoi ça... Voilà. C'est un autre sujet, je pense, pour la semaine prochaine. Mais ça a été utilisé réellement plus qu'une fois, environ une génération. Il y a des mecs qui sont allés faire le coup de main une fois ou l'autre, mais ça a été une génération. Il n'y a pas eu d'implantation massive sur le long terme. S'il y a déjà, faut bien imaginer, la Scandinavie, c'est le trou de cul du monde, il n'y a personne. Donc si en plus tu vas là où il y a encore moins de monde que chez moi, alors que. Voilà.
Non, ça n'a jamais été une colonie, il n'y a jamais rien eu là-haut. Ça a été un lieu d'hivernage pour les gars qui allaient couper du bois pour le Groenland. Il y a une chose que les gens surestiment, c'est les ressources humaines qu'ont eu les Scandinaves. Et genre pour eux, il faut comprendre que 1000 mecs, 1000 Scandinaves dans une armée, c'était totalement... On a eu ça peut-être une fois ou deux fois, grand maximum. C'était gigantesque au niveau ressources humaines d'avoir des groupes de 500 mecs ou de 300, 400 mecs au niveau ressources humaines. Hein. Je parle même pas des bateaux et de la complexité d'avoir beaucoup de bateaux. Mais avoir 1000 mecs, genre le maximum qu'on a eu, c'est la grande armée païenne, je pense, Samuel. Exactement. Qui était, on estime, allez, 2000, 3000 mecs avec tous les crèves-la-faim autour qui devaient brigander autour, quoi. Donc ça faisait surestimer les effectifs. La grande armée païenne, c'est grosso modo estimé à un cœur d'environ 1000 à 1500 personnes qui sont le cœur des irréguliers. Et limite, ils ont vidé la Norvège et le Danemark pour avoir cette armée. J'en sais. Et c'est le cas, parce que c'est la période la plus calme de l'histoire de la Scandinavie. Voilà. Et on estime qu'autour de ces 1500... Autour de ces 1500, entre guillemets, ce cœur de 1500, qui a 5 à 6 000 maraudeurs qui sont juste là pour piller. Généralement, tu traînes autour de l'armée et ce que l'armée fait pas, c'est toi qui fais le sale boulot. Ouais, elle a envahi l'Angleterre, mais on en reparlera. C'est pour la saison prochaine. La saison prochaine, Samuel. Putain, il faut qu'on mette un cliffhanger histoire de laisser les gens un peu sur leur faim là. Comme j'ai fait avec le Portugal. Bon, on arrête là. Des maraudeurs, toute la populace locale. Généralement, une armée est toujours très disciplinée. Et autour de l'armée disciplinée, vous allez traîner autour de l'armée. Vous allez vous repaître de ses restes. Quand un village va être ravagé, vous allez finir les mecs que l'armée n'a pas daigné prendre. Donc des fois, souvent, les armées, si elles ont des raisons de pacifier les zones, vont pas commettre beaucoup d'exactions. Mais c'est les mecs qui arrivent derrière les armées qui sont les plus dangereux. Parce que eux ont ni foi ni loi et vont buter tout le monde. Et dans tout le sillage des grandes armées, vous avez une armée de vagabonds qui tourne autour, en fait. Et ça a pas changé, hein. Pendant la guerre de 30 ans, c'était le cas. Chez les Taiping, vous aviez plus de ravages commis par les mecs autour des armées régulières. Et c'était, vous savez, la même chose avec les armées scandinaves. Mais bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, Samuel. Ouais. Merci beaucoup pour le sujet. Et puis, Glabs, tu connais la BD Sven qui traite des Red Vikings à l'époque carolingienne? Tu connais pas? Sûrement, c'est pas l'histoire où il y a du fantastique dedans. Si c'est le cas, je la connais, sinon... Sinon, je sais pas. Bon, il y en a beaucoup, mais... Il y a une BD que je connais, ça pourrait très bien être Sven, avec une histoire, il y a tout un aspect religieux dedans. Et il t'a appelé Flaps, mais il a corrigé après oui. Glaps. Ça te fait un bon son comme Looping, tu sais, dans l'agence touristique. Écoute, Flaps. Ah, j'avoue, c'est bon. Mais ouais, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas de questions qui sont là. Et ça fait déjà 1h45, Samuel, mine de rien. Le temps passe vite. Donc ouais, rendez-vous la semaine prochaine, 20h. Et puis, tu auras... on continuera sur cette lancée. Et je veux pas dire, mais vous êtes quand même 55 à l'instant T qui sont en train de roter du sang à avoir écouté là sur une présentation du culte solaire de l'âge du bronze. Samuel, j'ai une question qui va t'intéresser. C'est quoi exactement un berserker, une classe guerrière? Je sais que ce sujet t'horripile tellement il a été parodié à toutes les alors sens. Si tu... Je vais y répondre, mais je vais entièrement. Et en fait, je vais retourner exactement dans ce qu'on disait avant, le culte de l'âge du bronze et les casques que je vous avais montrés, les casques à cornes. En gros, la recherche historique en ce moment, elle est en train de tailler en pièces tout ce qu'on dit sur l'histoire des champignons. Tout ce qu'on dit sur l'histoire du PTSD et des syndromes post-traumatiques et compagnie. Elle est en train de pousser ça de côté pour entrer sur l'idée d'un guerrier totem. On est beaucoup plus proche de l'idée des Maoris
ou des, je ne sais plus comment ils appellent, mais dans les guerriers malais, ils ont aussi une espèce. Tu es possédé par l'esprit d'eux, et c'est, tu es un guerrier qui, alors après on peut dire, est-ce qu'il y a des aspects avec des champignons ou quelques substances, est-ce, qu'il y a, est-ce que tu es plus sensible à être pris Samuel, par une des crises. Tu fais un cul sec avec, avec de l'alcool local à 2-3%, tu vas te sentir un peu enivré, tu mets ta peau d'ours ou ta peau de loup, et ça y est, hein. Oui. T'es chaud, hein. Alors maintenant, ça, là, là, tu as un aspect technique. Comment tu fais faire ça? Oui. Mais il y a un aspect beaucoup plus profond qui est l'aspect chamanique. L'aspect, l'aspect où un berserker n'est pas, c'est pas une classe de guerrier, c'est pas une, ce n'est pas une marque de, d'honneur. C'est ça, que c'est... tu es possédé par un esprit qui te fait entrer en transe et qui te fait aller au combat. Donc, c'est pas des classes, ce n'est pas une, c'est un aspect totémique. C'est sur cet aspect que toute la recherche commence plus à s'orienter. Il y a par exemple, en fait, pour donner un exemple tout con, pourquoi tous les berserkers viennent de Scandinavie et qu'il n'y a aucun berserker islandais? Parce qu'il n'y a pas d'animaux en Islande. Mais Samuel, donc, pourtant, alors c'était des Norvégiens, mais il y a quand même, on a quand même des berserkers Raon dans la péninsule du Snæfellsnes, les mecs qui ont taillé la route dans le champ de lave. Donc c'était pas des Islandais. Exactement. C'était des Norvégiens. Non. Les, alors, pour, dans l'exemple que tu donnes, dans le Snæfellsnes, le Berserkerun, c'est des Suédois. Ces mecs viennent de Suède. Ah ouais, moi je pensais que c'était des locaux. C'est pas des locaux. C'est pas des locaux. Non. Donc, c'est des mecs qui sont arrivés avec leur capacité chamanique de super alors, force, en fait. Alors qu'à l'époque en Islande, il y a déjà une génération de mecs, et en Islande, à l'époque et même maintenant, il n'y a qu'un seul animal. Le totem du mouton, Samuel. Ou alors le renard arctique, qui pourrait être assimilé à la ruse, mais est-ce que c'est glorieux? Pas vraiment. Non. Donc en gros, pour faire très simple, un berserker, c'est beaucoup plus proche de notre idée du loup, de notre idée du loup-garou, que du drogué qui prend des champignons. Et donc, vu que c'est, on est beaucoup plus proche du guerrier loup-garou, et qu'en Islande, il n'y a pas de... D'animaux, de prédateurs, à part le mouton, voilà. Bah, vous croyez réellement que des guerriers mouton-garous vont être... Il n'y a pas de mec qui tienne. Je me transforme, Samuel, j'ai un besoin de brouter de l'herbe. Un ennemi, fuyons. Okay, je connais certains Islandais véganes, Samuel, qui auraient pas à faire. Ah putain. Ça, c'est clair que de nos jours, ça pourrait marcher. Ah pardon. Mais t'as répondu à la question. Et ça n'a rien à voir avec Rome Total War où on a des unités de berserkers. Voilà. Qui parle de moutons qui dirigent des lions. Ouais. Bon allez, on va s'arrêter là, Samuel. Merci pour... Ah ouais, parce que... S'il y a des questions, il y en aura la semaine prochaine, de toute façon. Voilà. Voilà, hein. Ah, Black Sheep. Oui, Black Sheep. Black Sheep. Je veux même pas oser taper voir ce que ça donne. C'est excellent. Ouais, bah, je sais ce qui est excellent pour toi, Samuel. Parfois, moi, ça me fait un peu. Attendez, un film de mouton garou, de zombie mouton en Nouvelle-Zélande, c'est génial. Mon Dieu. Fait par. Comment s'appelle le mec qui a fait Le Seigneur des Anneaux? Peter Jackson. Voilà, bah, c'est Peter Jackson. Oh merde, Peter Jackson, il a fait ça. Oh, il a fait un film de mouton zombie. Je vais aller voir le trailer. c'est à chaque fois, moi je pensais au. Je sais pas si t'as joué à Worms Armageddon, t'as le super mouton. Tu sais, tu cliques deux fois et il a une cape de Superman. je m'imagine un truc comme ça. D'accord. Excellent. Bon, en tout cas, on continuera la semaine prochaine. On rentrera dans le vif du sujet. Et puis ça va être intéressant aussi la semaine prochaine. Ça va, je pense que c'était c'est ce que certains attendent la semaine prochaine avec impatience, parce que bah, forcément c'est à la mode en ce moment.
Vikings, ils le font à toutes les sauces, hein, entre les Hollywood, Donc, si vous à avez la des télé. questions, etc., rejoignez le Discord des vautours et lâchez les questions. J'essaierai d'y répondre En par plus, rapport. il y a une section foire aux livres qui est dédicacée à ça. Donc, il y a, ou même des gens qui veulent des sources, si vous voulez voir les sources des bouquins et tout. Je vous remets à attendre une dernière fois pour ceux que ça intéresserait particulièrement. Voilà les sources des bouquins. Et ouais, j'en connais deux et les deux sont très bien. Donc voilà. Donc je pense la semaine prochaine tu vas utiliser les mêmes. De toute façon, les Vikings et les Celtes, Exactement, il est oui. parfait pour ce que tu veux expliquer. Je pense que là c'était plus le monde du C'est double et Yggdrasil qui était bien pour la journée. exactement. Et après, ouais, les Vikings et les Celtes est parfait pour toute la phase d'expansion. Et après, si tu veux, on parle un peu d'Islande. Voilà. Oui, il y aura un petit chapitre spécial Islande où Bah, bien sûr, on va être un j'essaierai de peu. te faire prononcer Ah les noms des lieux. non! Samuel! Samuel, ma connexion se coupe! Je te perds! Regarde avec ma caméra, Samuel, je rentre! Oh, le ténèbre! Je suis Caramelus! Le grand dieu du monde des ténèbres! Bon allez, on arrête là. Passez une bonne soirée. Sam, rendez-vous mercredi, la semaine pro, 20h. Et moi, demain soir, je finirai à 20h l'Empire portugais. Donc, deux soirs, deux foires au livre. Et puis voilà. Et soyez là, messieurs, pour la foire aux livres de demain avec le PP. Ça va être. C'est là que le spectacle va commencer. Albuquerque va se pointer. Ça va bouger. Passez une bonne soirée. À ciao, ciao tout le monde.